Hey tout le monde, c'est Berly ce soir pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo assez particulière car comme vous le savez, ça fait un mois maintenant, un mois et demi pratiquement que je n'ai pas fait de vidéo Rumble, ok. Donc aujourd'hui, on va s'attaquer à un petit pack opening, mais assez gros car on a un super coffre. Donc c'est la première fois que j'en ai un gratuitement sans devoir payer. Ça fait extrêmement plaisir. Bref, d'abord commençons par le coffre gratuit qui est juste ici. Donc c'est parti. Donc bien sûr, moi je vais vous passer à la pub et on se retrouve juste après. Bref, pour ce coffre gratuit, on a plus 30 de pièces, c'est pas mal. On a plus 3 pour le melon, c'est pas mal du tout. On a plus 1 pour le cœur amoureux, ça fait plaisir. Et puis voilà. D'ailleurs, maintenant on va pouvoir enfin dupliquer la somme, donc c'est parti. Donc c'est bon, on a enfin dupliqué la somme. Maintenant on va passer au prochain coffre. Donc pour ce prochain coffre, on va passer le coffre de but. Voilà, donc c'est parti. Donc pour ce coffre de but, on a plus 82 pièces. Donc on a plus 4 pour le mini tanuki. On a plus 3 pour le cœur amoureux. Plus 4 pour le panda paresseux. Plus 4 pour le taureau enragé. Et on va dupliquer la somme comme d'habitude. Donc c'est bon, j'ai enfin dupliqué la somme. Donc maintenant on va passer au premier coffre d'argent. Donc bien évidemment, comme vous avez pu le comprendre, on va faire crescendo. Bref, donc là on a plus 21 de pièces, c'est pas mal. Plus 3 pour le gros canon, plus 1 pour le général Molotov, et puis voilà. On va passer au coffre d'argent. Par contre, celui-là, j'ai pas eu le temps de le débloquer, donc on va payer. Allez, c'est parti. Quoique, je peux même le débloquer en regardant une vidéo, ça fait économiser des gemmes, c'est plutôt cool. C'est parti. Donc, c'est bon, j'ai enfin débloqué le coffre d'argent. Donc, c'est parti. Là, on a plus 26 de pièces, c'est plutôt cool. On a plus 1 pour le fumier royal. Donc ça, c'est une nouvelle carte, je ne la connaissais pas. Je ne sais pas vraiment à quoi elle sert, on va voir ça juste après. Donc là, on a plus 3 pour le char royal, comme d'habitude. Avant de continuer avec le coffre d'or, on va d'abord passer voir quelle est cette carte mystérieuse qu'on a, la nouvelle carte. Répulse tout le monde, excepte le gardien royal. Parce que tu sais. Alors, parce que tu sais, je ne sais pas vraiment à quelle allusion ils veulent faire, mais j'ai ma petite idée. Bref. Ça peut être utile dans mon deck, mais je demanderai à un pote, parce que moi ça fait assez longtemps que je n'ai pas joué, ce qui fait que j'ai plus trop les repères. Donc je demanderai à un pote, ou dans les commentaires dites-moi, dans comment organiser mon deck avec cette nouvelle carte. Bref, de mon côté, on va continuer avec le coffre d'or, c'est parti. Donc pour ce coffre d'or, on a plus 82 pièces, c'est pas mal du tout. On a plus 7 pour le gros canon, plus 5 pour le panda paresseux, plus 1 pour le fumier royal. Cool, on va pouvoir évoluer plus facilement du coup. Plus 2 pour le cœur amoureux. Et puis voilà. Donc pour tout ce qui est évolution au fur et à mesure, je ferai ça à la fin du pack opening. Donc on va passer, avant de faire le super coffre, ce qu'on va faire d'abord, c'est le coffre d'argent. Donc comme je vous dis, crescendo, même si avec le coffre d'or, j'ai pas très bien respecté. Mais c'est pas grave. Bref, c'est parti. Donc pour ce coffre d'argent, on a plus 21 de pièces. Plus 1 pour la tortue toupie. Plus 3 pour la boule de feu. Et puis voilà. Évidemment, à chaque fois, on a un deuxième coffre d'argent. Ça fait toujours plaisir. Bref, maintenant que j'ai enfin débloqué le coffre d'argent, voilà, l'ouvrir, c'est parti. Donc, pour ce coffre d'argent, on a plus 26 de pièces. Plus 1 pour le cœur amoureux. Plus 3 pour le trampoline. Ça faisait longtemps. Et puis voilà. Bref, maintenant qu'il a été récupéré, on va pouvoir enfin faire le super coffre. Bref, c'est parti. Donc pour ce super coffre, on a plus 300 une pièce, c'est énorme. Bref, on a plus 2 pour la grenouille, c'est super rare de l'avoir. Plus 4 pour la boule de feu, plus 10 pour le mini tanuki. Je suis même plus habitué à avoir des grosses EP comme ça, ça fait bizarre. Oula. Bon, du coup les gars, comme vous pouvez le voir, j'ai crash. Le jeu a crash tout simplement parce que le wifi n'était pas ouf. J'ai vraiment un wifi tout pété. Mais bon, j'ai dû faire avec. Et du coup, le seul problème, c'est qu'on a perdu le pack opening avec le super coffre. Donc, on verra pas la suite, c'est dommage. Mais je vous invite à aller voir un peu plus loin dans la vidéo pour voir le prochain coffre qui est tout autant cool. Voilà, bref, c'est parti. Moi, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ciao. On a enfin fini le super coffre. Donc maintenant, on va passer à ce coffre là. Donc je sais, il me semble que c'est un coffre royal de but. J'ai pas encore compris. Ou alors c'est un coffre de clan. On m'a pas dit dans les commentaires. Et d'ailleurs, bah, c'est un peu embêtant parce que du coup, je ne sais toujours pas ce que c'est. Bref, voilà comment c'est parti. Donc on a plus 100 de pièces, c'est pas mal. On a plus 1 de cœur amoureux, c'est pas mal du tout. Plus 6 pour la boule de feu. Plus 1 pour la tortue toupie. Plus 1 pour le ventilo. Alors cette carte là, je ne la connais toujours pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est réellement, mais j'ai une petite idée.
Bref, au suivant. Plus une pour l'aimant, plus deux pour le fumier royal. Donc plus un pour le taureau enragé, c'est pas mal. Et on va enfin pouvoir dupliquer la somme. C'est parti. Donc c'est bon, j'ai enfin dupliqué la somme. Maintenant qu'on a enfin ouvert tous les coffres, on va passer à l'amélioration des cartes. Donc pour commencer, on va faire les cartes que j'utilise. Comme pour le fusil à plomb. Donc c'est parti. Donc c'est bon. J'ai enfin fait passer mon fusil à plomb du niveau 5 au niveau 6. Maintenant, on va passer aux cartes que je n'utilise pas. Comme par exemple le fumier royal. Donc c'est parti. Waouh, je peux encore. Bon, bah, niveau 4, hein. C'est parti, je joue mon perso. Donc c'est bon, j'ai enfin pu finir de l'améliorer. Donc au final, je suis au niveau 4. J'étais niveau 1, bah, je suis passé niveau 4. C'est plutôt cool. On va faire la carte ventilo. Donc je sais toujours pas à quoi ça sert. Alors, souffle sur tous les rumbles pour les repousser. Cible également le palais. C'est pas mal du tout en vrai. C'est même plutôt bien, je trouve. J'aime beaucoup le ventilo. Je trouve que c'est une plutôt bonne carte. Dites-moi en commentaire comment je pourrais améliorer mon deck avec ces deux nouvelles cartes. Car honnêtement, je ne sais toujours pas comment faire. Parce que très clairement, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas joué. D'ailleurs, le jeu a commencé à m'enlacer. Donc je vais peut-être changer de jeu. Je ne sais pas encore. Ça verra quels jeux me plairont au fur et à mesure. Je risque de passer sur mon PC. Car très clairement, il y a plein de jeux que j'adore sur PC et que j'aimerais bien faire en vidéo. Bref, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce petit pack opening vous a plu. D'ailleurs ce gros, hein, parce que très clairement il y a des bonnes cartes et des nouvelles cartes. C'était plutôt cool. Bref, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager et surtout à activer la cloche de notification comme d'habitude. Bref, ciao, peace. Ciao. Tu les belles, hein, comme la papaya.